Gospodo i gospodže, dobroveče. Danas novo nismo ništa dobro. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Trax. Voilà, Dovid génial. Au menu d'aujourd'hui... En général, une démo permet de se faire une idée sur les possibilités d'un logiciel ou d'un jeu vidéo. Mais ces temps-ci, les démos, c'est aussi la dernière mode en matière d'animation informatisée. Trax vous explique tout dans la séquence tribale. Tout commence avec une bande de jeunes qui a envie de rigoler à peu de frais. Ils craquent les protections de leurs jeux vidéo et les modifient à l'aide de petits jeux de lumière, des incrustations de texte et toute une flopée de sons comiques et énervants. Et c'est ainsi qu'est née la mode de la démo, un mélange subtil et nouveau de jeux informatiques et d'art vidéo. Farbrauch est l'un des groupes de démo les plus renommés du moment. Ils sont originaires de Hambourg. Notre activité est absolument non commerciale. On fait ça juste pour rigoler. Par contre, ça nous prend énormément de temps et très peu de gens sont capables de comprendre ce qu'on fait. Ceux qui comprennent communiquent par Internet. Le milieu démo est une communauté globale. Dans la vie réelle, bon nombre d'entre eux travaillent pour des compagnies de jeux ou des sociétés de software. Ils possèdent donc le savoir-faire nécessaire pour faire de la démo. La différence, c'est qu'ils s'amusent comme des petits fous. La production d'une démo, c'est du travail d'équipe. Graphisme, son, programmation, chaque discipline a ses spécialistes. Le milieu artistique traditionnel a réagi avec euphorie en découvrant les travaux de Farbrauch. Et chacun veut profiter de la vague. L'aspect artistique commence à percer. Peu à peu, les musées et d'autres institutions s'adressent à nous et nous disent « Ah oui, l'art digital, Internet et tout ça, c'est très cool ». Mais très longtemps, il en a été tout autrement. Et personne ne nous a aidés ou soutenus. Et peut-être que les choses vont changer maintenant. De toute façon, avant, la dimension artistique ne nous intéressait pas du tout. J'ai longtemps pensé que l'art, c'était bon pour ceux qui ne savaient rien faire. L'art des démos consiste précisément à reculer au maximum les limites du possible. Certains ordinateurs sont proches de la surchauffe. Les démos sont des créations en temps réel. Concrètement, ça veut dire que les images sont retravaillées par l'ordinateur au moment où elles sont créées. Les démos sont des fichiers relativement légers. Celle-ci, par exemple, pourrait être copiée 20 fois sur une disquette. Par tradition, le milieu démo a un goût très prononcé pour la compétition. Qui est le meilleur? Qui va se retrouver en tête des charts? Qui va se placer devant? Sans cette compétition, beaucoup de démos n'auraient pas vu le jour. La compétition, justement, a lieu au cours d'événements spéciaux comme la soirée Breakpoint à Biggen, la plus importante manifestation démo d'Allemagne. Chaque année, à Pâques, environ 500 créateurs s'y retrouvent pour montrer ce qu'ils savent faire. Des Anglais, des Scandinaves, des Polonais et même des Australiens. Eckhard Brugmann, alias Steeler, fait partie du comité organisateur depuis quelques années. Il ne fait pas de démo. Son job à lui, c'est de réunir ceux qui en font. J'ai l'habitude de dire que je suis le dénominateur commun du milieu démo, d'un point de vue social. Je suis en quelque sorte un trait d'union entre beaucoup de gens et je fais de mon mieux pour les aider, sans aucune arrière-pensée commerciale. Avec le temps, l'événement s'est développé et a pris de l'ampleur. Au départ, on avait à peu près une cinquantaine de personnes et aujourd'hui, on a 300 à 500 personnes. Du coup, l'équipe des organisateurs a dû suivre le mouvement et s'étoffer elle aussi. Thank you.
Il ne s'agit pas de faire passer un message ou de développer un produit fini. Il y a des démos avec un scénario, mais ce n'est pas nécessaire. Comme l'a dit un jour l'un de nos invités, le terme de démo, ça vient de démonstration, et donc les démos servent à montrer ce que les gens savent faire. Le but, c'est de montrer des capacités, dans les domaines du graphisme et de la musique, bien sûr, mais aussi en matière de techniques de programmation informatique. Au Breakpoint de cette année, Farm Rausch a sorti sa démo populaire qui a littéralement été acclamée. Gizmo, le graphiste, nous montre comment elle a été conçue. Alors ça commence très simplement avec un cylindre, tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, ça ressemble à un cube, mais à l'intérieur, c'est un cylindre. Ce cylindre, on va le recouvrir d'une matière, en l'occurrence une sorte de métal tacheté de points et brillant, et puis on va le travailler jusqu'à ce qu'on obtienne la forme qu'il doit avoir à la fin. Puis, à l'aide d'autres éléments, on transforme notre cylindre en arche de porte qu'on va utiliser à la fin pour une scène bien précise. Stigmatisés par des prédécesseurs tendance glamour, les membres de Farm Rausch, une fois leur travail accompli, relâchent la pression. Une fois qu'on est un peu plus détendu, ou quand le délai de remise est dépassé, ou quand on est venu avec une démo toute faite, aucune démo du tout, alors c'est vraiment sympa de profiter de la fête. On se balade, on discute avec les gens, on se réchauffe près du feu de camp. Au fond, on s'éclate comme les autres, comme le commun des mortels. La seule différence, c'est qu'il y a des ordinateurs partout. Au bord du feu de camp, la nuit a été longue et arrosée. Contrairement aux idées reçues, les créateurs de software et de jeux ne passent pas tout leur temps vissés à leur écran d'ordinateur. Mais pour s'en rendre compte, le mieux est d'aller faire un tour à la prochaine soirée démo. En fin de soirée, on remet le prix le plus important, celui de la meilleure démo. On les projette sur le plus grand écran. Le nombre de démos présentées peut aller jusqu'à 25, voire 50 unités, et le vainqueur est désigné par le public. Les créateurs de démos font vraiment des choses incroyables. Il faut absolument qu'ils se fassent davantage connaître du grand public. Le graphisme peut susciter le grand frisson. Et au train où ça va, on retrouvera bientôt les démos au cinéma. Et dans le prochain Tracks, nous verrons quoi ? Partie de Santiago, la fièvre ragaton qui envahit Cuba et redonne de l'air aux Cubains asphyxiés par Castro. Les artistes qui investissent les laboratoires et inventent l'art biotech. Les nouveaux vampires de Harlem qui s'abattent sur New York la dent longue. Quel sacré numéro vendredi prochain ! Le net assure la transition. Voilà, Dovid génial.